Salut à toutes, aujourd'hui petite vidéo sur les espèces que je vous ai montrées le moins souvent sur ma chaîne. Je pense qu'aujourd'hui je vais vous montrer les Formica sanguinea, les Polyarchis divis et je pense que je vais vous montrer aussi les Camponotus de l'Indus. Donc là comme on peut voir c'est des Polyarchis divis. Donc elles sont vraiment magnifiques avec leur jolie couleur argentée. Et surtout quand on regarde à la caméra avec le flash c'est encore plus joli. Donc voilà, il y a toujours... Comme on peut voir là, ça se transforme en petites larves. Donc les œufs, je sais pas si je vous les avais montrés l'autre fois. Mais en tout cas, je mettrai une petite photo d'il y a une ou deux semaines quand c'était encore vraiment des œufs. Donc voilà, tout se développe bien. Elles chassent pas trop. Elles préfèrent venir manger les vers déjà morts. Et voilà, sinon, leur terrarium ressemble à ça. Enfin là, les vitres sont un petit peu sales, mais je vous ferai une photo du dessus pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc maintenant je vais vous montrer les Formica sanguinea que j'avais acheté chez Hans Deal. Ah non, chez Hans... Ah putain, je sais plus. Je pense que c'était... je vous dirai en bas, dans les petites sous-titres. Donc malheureusement je ne pourrais pas trop vous montrer les Formica sanguinea parce qu'elles ont eu l'idée dans la matinée de venir s'installer dans l'aire de chasse au lieu dans les tubes, donc on ne pourra pas trop les voir. Donc en même temps je vais un petit peu vous faire... un petit peu le retour sur les produits Handkeeping Depot, donc pas Handkeeping Depot, plutôt les abreuvoirs de chez By Formica. Donc voilà, les Formica, le premier jour il n'y en avait déjà plus avec le grand abreuvoir de 3 mm, je pense. Il y avait plus rien. Les Camponotus de l'Indus que voici, elles ont été un petit peu, je pense qu'elles ont vidé un tiers, à mon avis. Les Messeurs Barbarus, elles ont quasi pas touché. Les Formica sanguinea, quasiment pas touché non plus. Et voilà. Les Polyarchis divis, elles ont pas mal touché. Je pense qu'elles ont pris la moitié du liquide. Voilà, à force d'humidifier, les Formica fusca commencent à prendre ça comme nid. J'ai toujours pas vu de nouvelles pontes, mais bon, voilà, il faut vraiment que j'augmente l'humidité dans ce nid-là. Et elles ont l'air de bien se porter, hein, voilà. Elles ont l'air d'être tranquilles sur ce petit nid-là. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les Formica sanguinea. Et vu que j'en mettais un petit peu plus de vers qu'habituellement, il y a quelques vers qui ont réussi à s'échapper et à se cacher. Et donc, pile au moment où je tournais la vidéo, il y avait un vers qui était sorti. Et donc, les Formica sanguinea se sont. Les Formica fusca, pardon. Se sont tout de suite jetés dessus. Donc le petit morceau noir qu'il y a au-dessus, c'est tout simplement du charbon que j'avais mis. Parce que de base, c'était un terrarium, mais j'ai arrêté parce qu'elle creusait, elle faisait des bosses avec, ça leur permettait de s'évader, pardon. Donc voilà, c'était un petit peu embêtant. Et plus ou moins en 1-2 minutes, les fourmis avaient déjà tué le ver. Je sais pas si c'est un ver morure ou un ver de farine, en tout cas, voilà, il n'a pas survécu très très longtemps. Mais c'est ça ce qui est bien avec ces grosses colonies-là, c'est dès qu'on met Voilà, une comme proie vivante, d'habitude, elle se petit jette tout de suite tour. Il y a dessus. quelques Formica Donc fusca qui voilà, se il y a baladent une petite fourmi qui s'est baladée, je ne vu sais pas que je sais comment pas elle a trop fait pour pourquoi, mais s'échapper, mais bon, voilà. pas grave. Tant qu'il n'y en a pas 10 000, Donc voilà, les ça me Formica dérange pas toujours trop. autant entassées Donc dans ce voilà, on peut nid. voir que elles sont encore Donc comme désolé si je me d'habitude trompe avec Formica entassées fusca et l'une sur sanguinea, c'est l'autre. juste parce qu'avant j'avais fait une vidéo Et sur les que sanguinea, ça. donc Elles me font un petit peu penser aux désolé Polyarchies si divis, je pas niveau répète. comportement Donc oxatisme, voilà, mais elles sont plutôt niveau vraiment couleur. Vous entassées, elles voyez, me font un quand petit on peu zoome penser aux très fort, il y a aussi Polyarchis un petit peu de divis. couleur Pas argentée pour leur comportement, mais plutôt qui pour ressort. leur Donc voilà. couleur. Quand on met vraiment le flash, on a vraiment l'impression que Voilà. il y a des couleurs Les argentées. Donc Formica, voilà, je vais vous laisser en même pas 2 minutes, un petit peu c'était de temps déjà avec fini les fourmis. pour J'essaie venir d'accélérer nourrir et ces au pire, si petites j'arrive pas à Formica. accélérer, je Je vous dis n'importe mettrai quoi, le petit bouton dans les commentaires pour tout de suite passer à la suite de la pour chez vidéo. les Messeurs Donc voilà. Barbarus. Donc Donc si vous maintenant, je vais un petit peu vous parliez d'un montrer les projet qui va bientôt Messeurs Barbarus aboutir, et je vais vous enfin parler en même il temps n'a pas d'un trop projet. commencé, mais Donc je vais vite fait vous le montrer les Messeurs projet va être Barbarus vite parce que la fini. lumière les Donc je vais dérange commander fortement et une après espèce je viendrai d'exotique parce que vous tout parler simplement j'ai vendu du projet. des choses, ce qui m'ont permis de Donc voilà, le couvent racheter des évolue bien. fourmis. Je commence à voir les Et premières donc nymphes je vais colorées. mettre sur leur aire de chasse, comme ça Et va pas trop ça veut stresser, dire je que peux le vous développement parler reprend. Là pour tranquille. l'instant, elles sont à 23 Voilà, les aires de degrés. chasse étaient aussi sales parce que Non, j'ai pas souvent le 22. temps de Et je nettoyer. pense qu'en avril, je passerai à Je préfère 23, en les mai observer que 24 venir et en juin nettoyer 25. Et puis j'arrêterai tout le de temps chauffer leur. Je vais essayer de mettre un pour, petit je sais verre pour pas, que ce soit peut-être plus pour octobre, amusant je pense. à Donc voilà. regarder Je vais vous que mettre de un petit voir peu tout sur les simplement. Messeurs Barbarus Voilà, pour parler du projet. Et je vais leur mettre un petit verre pour que ce vas-y, soit c'est super plus chouette. amusant à regarder pour vous.
Donc là, c'était une blatte. Rassurez-vous, elle est morte. Elles l'ont vraiment Voilà, décomposée donc ce que je l'intérieur. vous Ce qui est disais, fou avec les c'était messes que envahies, c'est qu'elles sont acquérir une nouvelle espèce vraiment. de On a fourmi. l'impression qu'elles ont un couteau de Donc ça va chirurgien parce que être dès une que exotique. on leur donne un Elle truc, vient la blatte ressort nickel après. d'Amérique Voilà, du c'est vraiment Nord. chouette. Voilà. Donc voilà, j'ai mis le petit Et verre tout de donc, suite. je vais Les pas vous grands dire majors toute qui se jettent l'espèce dessus pour vraiment que je sois sûr de pour le l'acheter ramener au parce nid. que Et j'ai les envoyé les ouvrières qui viennent un colis. petit peu aider Donc c'est pas des les fourmis ce majors. que j'ai envoyé. Hein. J'ai Même s'il n'y a pas toutes trop mes de colis. recrutement chez elles, Mais en sauf attendant pour que les les graines, colis bien sûr, arrivent bien, qu'il n'y a dès pas qu'on met des d'impact sur graines, il y les a objets, et énormément de là, je recrutement. pourrais acheter. Par Donc contre, c'est pour les avec lits des qui créent exotiques, aucun des recrutement, ponéries, c'est mes vraiment premières l'espèce qui ponéries. est là. Moi, j'avais Enfin, déjà eu la des fourmi qui ponéries est là, qui d'avance va avec venir un ami, j'avais eu des voir, arpénatoses forcément vu qu'elles sont pas vénateurs. de Mais c'est lui qui jabot les maintenait social. parce que bon, Et bah voilà, tout de suite, c'était elles une se belle jettent espèce, dessus. mais elles sautaient Et souvent. normalement, Donc il j'avais sera pas ramené fait dans que le les nid évasions. 2 minutes après, Et hein, donc bah, ou un j'avais truc dit comme qu'ils ça. pouvaient les garder. Donc, voilà. Ça va être Voilà. plutôt Donc ma là, pour l'instant, elles ont une grosse deuxième réserve de exotique graines de ponérine, mais ma quinoa, de première vraie chia expérience. et J'ai déjà une été autre acheter graine. le Ah oui, j'avais terrarium. mis quelques graines de flocons Voilà, ça va être d'avoine, plutôt un mais aquarium. elles se sont J'ai, pas je vais mettre des billes vraiment d'argile jetées au dessus. fond. Donc maintenant, je vais vous J'irai parler un mettre petit un peu du petit peu projet. Donc, de je vais coco. accueillir une Et puis j'irai mettre du ponérine terabasis exotique juste au-dessus. bientôt, je pense. Donc voilà. Dans cette semaine ou maximum la semaine Sur ce, si vous prochaine. avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros C'est une pouce ponérine qui bleu vient et à d'Amérique vous du abonner. Sud, donc c'est ma Et ah deuxième oui, ponérine. Sauf que je la sais pas première si vous vous ponérine, j'avais eu souvenez, des mais l'autre fois, arpénateuses j'avais mis concours vénateurs que fourmis. j'avais donné à un Mais ami bon, parce ouais, que je ça pouvais venait pas trop envoyer les fourmis facilement vu que c'était, avec leur vu que seuil et tout. c'était pendant l'hiver. Donc ben, Donc je dès vais que je les reçois, je reposter fais la petite l'annonce, vidéo dessus enfin reposter et cette leur vidéo dans installation dans environ le une semaine. terrarium. J'espère Et que je ferai le l'unboxing se concours passera fourmis, mieux